Alors, salut à tous, est-ce que euh, vous m'entendez Yes, nickel. Ok, alors du coup, on va pouvoir commencer le back to Basics sur l'architecture assembleur. Euh, du coup, pour ça, j'avais prévu qu'on revoie déjà... Je fais des problèmes pour le lab. Euh, Qu'on revoit euh, l'assembleur pour ensuite euh, un peu les notions. Désolé, j'ai pas trop pu suivre le code, la partie code du S4, parce que je fais mon S4 à l'étranger. Mais on va quand même essayer de voir peut-être un peu ça. Mais de manière générale, on va commencer par revoir plus le cours euh, pour commencer. Du coup, euh, pour ensuite être capable de faire tous les exercices style, euh, voilà, donc quand on a des registres, euh, les mouvements de mémoire. Euh, les différents flags, ainsi que de l'exécution de code. Donc on va revoir un petit peu tout ça. Donc je pense qu'une bonne chose, ça serait de commencer, du coup, euh, pour revoir un petit peu l'assembleur. Du coup, euh, c'est des exécutions en ligne. Euh, donc euh, une ligne pour chaque instruction, qui sont découpées en quatre. Donc on peut avoir une étiquette, euh, comme par exemple quand vous créez un, un, un sous-programme, donc next, euh, loop ou quoi que ce soit, c'est ce qu'on appelle l'étiquette. Après, on a l'instruction en elle-même. Par exemple, ça va être move, add euh, et toutes les autres euh, égales euh, ou quoi que ce soit. Ensuite, on a le champ, donc les variables que vont prendre euh, l'attribut. Du coup, voilà. Et à la fin, on peut mettre des commentaires. Donc, dans le cas où, euh, tout simplement pour commenter. Chaque, euh, donc, euh, les, les registres peuvent récupérer plusieurs types de données. On peut, par exemple, leur donner de l'hexadécimal en commençant par un dollar. Et du coup, là, ça va donner 26, mais en hexadécimal. Bien sûr, c'est stocké en binaire. Mais on peut leur donner directement en hexadécimal. Donc il faut mettre un hashtag pour préciser que ça va être une valeur instantanée. On peut également, si on met juste un hashtag, mettre des valeurs normales, des chiffres. Donc 128, on peut directement mettre des chiffres. Et sinon, on peut aussi mettre du binaire avec un pourcent. Donc si je mets ici 1, 0, bah, ça va me stocker 10 dans mon registre. Donc, ça, c'est pour directement un peut voir comme ça comment ça se représente pour les chiffres. Euh, un registre, il possède trois euh, extensions. Parce qu'en fait, on a par exemple le registre des 0 Il y a euh, huit, registres, euh, huit registres de données. Donc, c'est ceux qui commencent par D, ça va de 0 à 7. Et il y a aussi les registres d'adresse. C'est ceux qui commencent par A et ça va pareil, de 0 à, à 7. Mais ils ont des extensions parce qu'en fait, ils sont codés euh, sur 32 bits. Mais des fois, on ne veut pas accéder à tous les 32 bits, on veut accéder qu'à une certaine partie. À ce moment-là, on peut utiliser du coup l'extension B qui nous permet d'accéder que aux 8 derniers bits. Donc les, les 8 les, les plus à droite. Euh, on peut aussi utiliser l'extension W ou l'extension L. Du coup, W, ça va être pour Word, on va accéder à 16 bits. Et L, ça va être pour long on va accéder à 32 bits. Du coup, imaginons que D0, ça soit une valeur en hexatécimale et que ça soit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On rappelle que euh, un chiffre en hexadécimal c'est 4 bits. Et ben si je fais l'extension D0.B, on va accéder à uniquement 7 et 8, parce que du coup c'est l'extension euh, que les, les, 8, les, 8 derniers by, les 8 derniers bits, pardon. Euh, un chiffre en hexa c'est 4 bits, donc les, les, les deux derniers. L'extension Word ça va nous donner accès aux quatre derniers. Et l'extension longue, on va pouvoir tout récupérer. C'est important parce que euh, des fois, il y a des différences, notamment dans le moment où il y a l'exécution du code ici, où il y a beaucoup de pièges par rapport à ça, par rapport euh, au point B, point L, point W. Et du coup, il faut faire très attention euh, à lequel c'est et qu'est-ce qu'on est en train d'accéder et qu'est-ce qu'on est en train de modifier surtout. Euh, ok, alors après ça, on va pouvoir voir directement les différents modes d'adressage. Parce que ces registres, c'est bien s'ils existent, mais c'est encore mieux si jamais on peut leur mettre euh, des valeurs à l'intérieur. Et du coup, pour ça, il y a plusieurs méthodes euh, pour leur mettre des valeurs. J'arrive pas à retrouver. D'accord, donc j'ai un souci avec ça, désolé. Ok, donc il y a plusieurs méthodes pour leur mettre des valeurs. On va utiliser notamment l'instruction move, qui va nous permettre de... Alors, attendez une petite seconde, j'ai un souci qui va nous permettre de lui attribuer une valeur. Deux petites secondes, je suis désolé pour ça. Alors, je suis juste en train de les retrouver parce qu'il y en a beaucoup. OK, voilà, parfait. Alors, euh, donc il y a le, le classique. On va utiliser l'instruction move. Après, on spécifie l'extension sur laquelle on est en train de travailler. Donc je vais enlever ça. OK ça je le remonte. On spécifie l'extension sur laquelle on est en train de travailler, donc par exemple point B. On va sélectionner notre premier registre, D0. Donc ça ça va être la source. Le premier opérant c'est la source. Et D1. Donc là, qu'est-ce qui va se passer On va prendre le contenu de D0 sur le point B. Donc par exemple, imaginons que D0, encore une fois, ça soit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et que D1, ça soit A, B, C, D f 2. On va prendre ce qui se situe sur les 8 derniers bits de D0 et on va les copier sur D1. Du coup, bah D1 au lieu de d'être ABCDEF12, ça va être ABCDEF78. On va avoir copié ça. Donc ça, c'est le plus simple. C'est ce qu'on appelle le, la, le mode d'adressage direct par registre de données, parce qu'on passe par un registre de données pour mettre une valeur sur un autre registre de données. Après, sinon, on peut utiliser les adresses. Parce qu'encore une fois, donc dans la mémoire, les registres ils sont stockés à une certaine adresse. Et on a des valeurs qui sont stockées à des adresses. Nos registres d'adresse, c'est comme c'est des pointeurs tout simplement qui pointent vers une adresse. Donc par exemple, on va prendre une adresse 00, euh, je vais prendre un exemple. Voilà, celle-là. Hop. 005 Ouais. Ok, donc ça c'est notre adresse. Donc A0, il pointe à cette adresse-là. Et dans la mémoire, il bah, y a des choses euh, qui y sont. Mais là, du coup, euh, on peut également euh, mettre les valeurs depuis une adresse. Donc, par exemple, si je fais move.word euh, de A0 sur D0, ce qui va se passer quand on fait cette instruction-là, c'est que ça va récupérer directement la valeur de l'adresse. On ne va pas aller chercher à l'adresse, on va récupérer l'adresse. Du coup, ça va copier. Les, le 5000 euh, et ça va le mettre dans des zéros. Donc là, à la place de 5, 6, 7, 8, on aura le 5000. Ensuite, on peut également directement mettre des données, des chiffres, comme je vous ai montré tout à l'heure avec les hashtags, etc. Je peux faire par exemple un move.b euh, et je peux directement donner une valeur, par exemple euh, $58, à des zéros. Et ça va copier cette valeur dans des zéros. Donc jusque là, c'est assez simple, c'est-à-dire soit on récupère dans un registre de données soit une adresse, soit on lui copie directement une valeur. Il n'y a pas trop de trucs un peu problématiques. Mais ça, c'est pour uniquement les, les registres de données du coup. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est quand on commence à aller chercher dans la mémoire. Parce que comme je vous ai expliqué, A0, c'est un pointeur vers la mémoire. Il y a des valeurs qui sont stockées dans cette mémoire. Et euh, ça nous intéresse d'aller récupérer ça. Donc je vais prendre ça comme exemple. Comme ça on aura une mémoire directement. Parfait. Donc là on voit que à l'adresse 5000 on a tout ça. Donc ça c'est l'adresse 5000. Euh, ça c'est l'adresse euh, bah, euh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5007. Et là on repasse à 5008. Du coup, ce qu'on peut faire c'est spécifier. Dire, au lieu de juste dire euh, bon bah d'accord, tu copies ce qu'il y a dans A0, comme on l'a fait tout à l'heure en, en disant juste move A0 dans D0, on peut euh, lui dire d'aller chercher ce qu'il y a à l'adresse. Dans ce cas-là, ce qu'on fait, c'est qu'on met entre parenthèses et on spécifie le registre. Et là, ce qui va se passer, c'est qu'il va aller chercher A0 et il va prendre le nombre d'éléments qu'on lui a spécifié avec l'extension. Donc là, on a fait move.b, du coup, il va aller dans la mémoire A0. Ok, il va aller à 5000 et il va en prendre 2 parce qu'on a dit un move.b et il va copier 54 directement dans des zéros. Si je lui avais dit d'en prendre euh, un move.w par exemple, bah, ça aurait pris 54af bien sûr. Donc, ça c'est on va directement chercher dans l'adresse, il se passe rien, juste on va à l'adresse qu'on a spécifiée et on récupère. Maintenant, il y a quelque chose qui est intéressant, c'est la post-incrémentation. Donc, on peut accéder à l'adresse. Mais en plus de juste accéder à l'adresse, ça c'est utile par exemple quand on veut se balader dans un string, on veut copier euh, la valeur du premier caractère, mais après on veut que notre pointeur il bouge sur le caractère d'après pour pouvoir continuer à avancer dans le string. Et on n'a pas forcément envie de faire ça avec deux instructions, de lui dire bon bah d'accord, tu me récupères le caractère et après tu avances. Autant le faire directement euh, automatiquement. Donc ce qu'on utilise c'est la post-incrémentation. On va spécifier après un plus, on met notre adresse. Donc là qu'est-ce qui va se passer A0 il est égal à 5000. On va aller copier 54. On va le mettre dans des 0. Pas 54, enfin juste 54, je sais pas faire des cercles. On va le mettre dans des 0. Et ensuite ce qui va se passer, c'est que A0 il va être incrémenté. Dans notre cas, étant donné qu'on a fait un move.b point B, on va l'incrémenter que de 1. Donc A0 il va passer à 1001. Euh, à 5001 pardon. il va passer à 5001 parce qu'on l'a incrémenté que de 1. Si on avait fait un move.word, bah, il aurait été incrémenté de 2, bien sûr. On aurait copié 541 f et il serait passé à 5002. Et si on avait fait un move.long, il aurait été incrémenté de 4. Et du coup, le pointeur, il serait sur E7. Dans notre cas, on ne l'incrémente que de 1. Du coup, A0, il n'est plus égal à 5000. Il est égal à 5001 et il pointe sur AF. Si à n'importe quel moment, c'est pas clair, n'hésitez vraiment pas à me le dire. Je reste, je peux réexpliquer. Dans les commentaires, vraiment, n'hésitez pas. On peut également, d'ailleurs, faire ça dans l'autre sens. Parce que la mémoire, euh, elle n'est pas fixe et on veut pouvoir mettre des choses dedans. Donc c'est également possible de faire un move. Point B d0 à l'emplacement où pointe le pointeur. Du coup, là dans ce cas-là, on va copier 78 à l'endroit où a0 pointe. Donc là dans le cas, si on estime qu'il reste à, à 5000 à la place de 74 ici, de 54 ici pardon, on aura 78. Ça marche également avec la post-incrémentation. Ce qu'il faut savoir, c'est que comme c'est dans le nom, post-incrémentation, on va d'abord copier à 78 et après on va avancer. C'est pas on avance et après on copie. C'est d'abord on copie et après on avance dans la mémoire. Ok. Maintenant, l'opposé de la post-incrémentation, le plus faire décalage selon l'extension si aucun chiffre n'est renseigné. Ouais, c'est ça. Si on ne précise pas et qu'on lui dit juste un plus, ça va décaler par rapport à l'extension. Donc euh, bah, B, ça va être un décalage de 1, Word, un décalage de 2 et elle, un décalage de 4. Maintenant, on a l'opposé de la post-incrémentation, c'est la pré-décrémentation. Euh, petite parenthèse, il n'y a pas de post-décrémentation, c'est pas possible de mettre un moins après, de la même manière que ce n'est pas possible de mettre un plus avant. Ça existe dans certains assembleurs, euh, pas le 68 000. Donc dans notre cas, soit on met un plus après, donc on copie, et après on avance, soit on met un moins avant. Donc euh, d'abord on recule. Et après, on copie. Donc dans notre cas, imaginons que A, il ne soit pas à 5000 tout court, parce que je ne peux pas reculer, j'ai rien d'autre, mais il soit à 5006. Donc c'est-à-dire que A, pour le moment, il est 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il est en train de pointer sur 48. Si jamais j'exécute cette ligne, ce qui va se passer, c'est que A, il va reculer de 1. Donc il va passer à 21 et il va passer à 5005. Et on va copier le contenu euh, dans la mémoire, donc 21. On va le copier dans des zéros et du coup ça sera plus 78 à la fin, ça sera 21. Ça marche exactement de la même manière euh, quand on fait l'inverse, c'est-à-dire qu'on va écrire dans la mémoire, on va apprendre, on va reculer à 0 à la case d'avant, enfin, la case d'avant. On va le reculer en fonction de l'extension, donc encore une fois de 1 pour B. On va reculer à 5005 et on va écrire à la place de 21, on va écrire du coup notre 78. Euh, maintenant, ça c'est justement quand on fait euh, un, une post-incrémentation et pré-décrémentation en fonction de l'extension. C'est-à-dire que juste on va avancer ou reculer de combien on a lu ou euh, écrit. Mais on peut également lui préciser de nous-mêmes de combien on veut qu'il qu se déplace. Mais attention, il y a une différence. C'est que, donc, on peut mettre des chiffres maintenant à la place de ça. On peut directement mettre 6 et 5 ici. La différence, c'est que ça, c'est euh, ce qu'on appelle le indirect. C'est indirect par registre d'adresse avec déplacement. Mais ce qui se passe, c'est que quand on utilisait la post-incrémentation ou la pré-décrémentation, ça changeait réellement la valeur de A0. C'est-à-dire que A0 était changé. Il ne restait pas à la même valeur qu'il avait avant. Alors que là, avec la méthode indirecte comme ça, ce qui se passe, c'est qu'on va tout simplement aller se décaler. Donc A0, on va dire qu'il est égal à 5006, encore une fois. Donc il est sur 48. Ce qu'on lui dit, c'est tu te décales de 5 et tu me copies ce qui se situe à cet endroit-là dans tes zéros. Du coup, bah, de 5006, il va passer à 5000B euh, pour 5011. Enfin, 5011, hein, enfin, vous m'avez compris. Donc de 48, il va faire 5007, 5008, 5009, 5000A, 5000B. Hop, on s'est décalé de 5. Il va récupérer ces 8. Et il va le copier dans D0. Mais une fois que cette instruction est finie, la différence par rapport à, à la méthode d'avant, c'est que A0, il va rester égal à 5006. Il ne va pas passer égal à 5000B. On ne va pas changer sa valeur fondamentale. On va juste se décaler dans la mémoire du nombre qu'on lui a précisé. Mais ça s'arrête là. A0, il, en aucun cas, il change. On peut également euh, spécifier des valeurs négatives. Et dans ce cas-là, ça va être la même chose. Ça veut dire qu'on va euh, se déplacer et récupérer la valeur qui nous intéresse. Et là, c'est pareil. On peut écrire à une valeur spécifiée. Donc là, on, on va écrire à la. Pas du tout ce que je veux faire. On va écrire à la valeur 5000,00, donc euh, le 54. Et on va écrire notre 78 sur le 54. Parce que A0, il est égal à 5006. On lui dit de se décaler de moins 6 et d'écrire à cet endroit-là. Donc on va écrire dans la mémoire ici. Mais. Encore une fois, à 0, une fois que cette ligne sera exécutée, à 0, il restera égal à combien il était. Cette fois-ci, l'extension, elle n'a pas d'influence sur de combien on se déplace. Si je lui dis de se déplacer de moins 6, on se déplace de moins 6. Il n'y a pas d'histoire de... Euh, on se déplace de... Euh, vu que c'est un Word, on se déplace de plus, donc moins euh, 12 ou quoi que ce soit. Il n'y a pas de, de truc comme ça. OK. Maintenant, il y a également la possibilité de faire des déplacements avec des index. Donc ça veut dire que ce qu'on peut préciser, donc je vais nettoyer tout ça, c'est que je peux faire mon move.b euh, par exemple, je lui reprécise que je veux me décaler de 4 et que je veux aller à, à 0, mais en même temps, je veux, en plus de ce décalage-là, me déplacer par rapport à une variable. Parce que des fois, imaginons qu'on sait que, euh, je ne sais pas, qu'on veut, on a une variable et on sait qu'on veut aller à... De d'endroits plus loin, mais ça dépend, c'est variable, c'est pas tout le temps la même valeur. Et ben dans ce cas-là, on peut spécifier qu'on veut se décaler par rapport à un registre de données, donc d1.word par exemple. Donc là, on va récupérer EF78. Et ce qui va se passer dans notre cas, bon là ça fait beaucoup, euh, donc c'est pas possible. Surtout que oui, EF78, ça fait beaucoup trop, mais pas grave. Et on lui dit de mettre ça dans D0. Ce qui va se passer dans notre cas, on va faire quelque chose de plus, plus simple. D1, on ne va pas lui mettre égal à ça. On va le faire égal à 1, 2, 3, 4, euh, 0, 0, 0, 2. Dans notre cas, ce qui va se passer, c'est que A0, il est égal à 5006. On va faire A0 plus 4, donc 5000A, plus d1.word. Donc ce qui se passe, c'est que vous pouvez imaginer comme x, A0. Y des 0, cette méthode-là. Et pour savoir où est-ce qu'on va aller chercher la valeur, bah c'est A0 plus X plus Y. Donc là, dans notre cas, ce qu'on fait, c'est que du coup, bah, on fait A0 plus le 4, donc 5006 plus 4, on arrive à 5000A, plus le D1.Word, donc 2. Et du coup, ça fait. 5000 euh, euh, c. Donc 5000 C, 5008, 5009, 5000 A, 5000B, 5000 C. Bah c'est D4. Et là on va récupérer D4 et on va le mettre dans D0. Ça marche aussi avec les négatifs. Et ça faut faire très attention parce que euh, les nombres, ici ils sont en complément à 2. C'est-à-dire que si jamais le bit le plus à gauche c'est 1, c'est-à-dire que mon nombre il est négatif. Dans notre cas. Ce pas un souci puisque là, ça commence par un 0. Le premier chiffre, c'est un 0 en hexadécimal ou en binaire. Ça s'écrit 000. Donc, il n'y a pas de souci. Par contre, imaginons que là, D1, c'était 8002 et pas le 002. 8, comment ça se code en binaire bah, C'est 1, 0, 0, 0, Ensuite, on a 4, 0. 4, 0 encore. Et 2 qui s'écrit comme ça. C'est peut-être un peu petit désolé. Ok, ça c'est la manière de représenter d1.word en binaire. Et comme vous vous rendez compte, ça commence par un, un 0, ce qui veut dire que mon chiffre est négatif. Donc en fait, on va pas faire plus on va faire le complément à 2. Du coup, encore une fois, c'est-à-dire qu'on inverse tous les bits. Et on fait plus 1. Ou moins 1. Plus 1. Et du coup, ça fait 1, 0. Et du coup, on obtient tout ça. Et là, on doit faire moins tout ce chiffre. Bon, là, c'est énorme. On ne va pas faire moins tout ça, évidemment. Mais vous comprenez l'idée. Il faut faire attention à si jamais on est euh, en, sur un nombre qui est positif ou négatif. Ça peut très vite poser problème. OK. Donc ça, c'est les différents modes d'adressage. C'est principalement utile, dans le cas d'un partiel évidemment, pour cet exercice-là où on nous demande... Justement, qu'est-ce qui s'est passé une fois qu'on a fini euh, cette ligne Une fois que cette ligne a été exécutée, qu'est-ce qui s'est passé Donc, je vous propose qu'avant qu'on continue d'avancer sur euh, la suite, on fasse un exercice comme ça, un peu plus concret, euh, après avoir vu tous les, tous les modes d'adressage. Hop, du coup, je vais récupérer ça. On va le mettre là. Tac. On récupère également. La mémoire. Parfait. On va la mettre ici. Okay. Ah oui, PC, c'est euh, l'emplacement où on est actuellement en train d'exécuter. Parce que comme vous le savez, le code, il est euh, localisé dans, dans la mémoire, le code qu'on exécute. Et PC, c'est un pointeur pour dire actuellement à quelle ligne du code on est. Donc voilà, c'est juste un détail comme ça pour savoir c'est toujours utile. Ok. Alors, donc cet exercice, euh, ça, on le fait depuis le S3, mais du coup, ce qu'il faut faire, c'est on a notre mémoire qui est ici et les valeurs qui sont dedans. On a une instruction qui va être exécutée et on doit expliquer quels ont été les changements qui ont été effectués à droite. Donc si jamais euh, un registre d'adresse a été modifié, on le précise ici. S'il n'a pas été modifié, il ne se passe rien. Mais comme je vous l'expliquais avant, le seul moyen de modifier un registre d'adresse avec une exécution comme ça, c'est la post-incrémentation ou la pré-décrémentation. C'est les seuls moments où ça va changer. Donc, déjà, les changements, quand il n'y a pas de changement, on peut rapidement le voir parce que là, il n'y aura pas de changement. Là, il y aura un changement post-incrémentation. Là, il n'y en aura pas. Là, il n'y en aura pas. Donc, ici, pas de changement. Et ici, encore une fois, pas de changement non plus. Du coup, dans notre cas, on sait déjà que dans tous ces endroits là, il n'y aura pas de changement. Ça fait gagner un petit temps, c'est cool. Ok, alors première chose, qu'est-ce qu'on fait On va move un long avec une valeur absolue à A2-12. Donc ça veut dire que on va se déplacer de moins 12 pour A2. A2 qui est égal à euh, 5010. On va se déplacer à moins 12 et on va lui copier la valeur 6, 5, 5, 3, 5 il faut faire attention parce que regardez un long comme on l'a expliqué tout à l'heure c'est euh, 8 caractères en hexadécimal puisque c'est 32 bits un caractère c'est 4 bits donc c'est 8 caractères en hexadécimal ici on le voit il n'y en a que 5 du coup qu'est-ce qui se passe ça, on va rajouter des 0 avant donc, 0, 0, 0, 6 euh, 5, 5, 3, 5 ça c'est en réalité la valeur qu'on va copier dans le cas où c'est trop petit on ne se limite pas à juste copier ça et rien faire d'autre. On remplacera par des zéros. On, même s'il y a déjà des trucs dans la mémoire, on va les remplacer par des zéros. Dans le cas où c'était plus grand, on ne prend que ce qui nous intéresse. Ok, parfait. Alors, A2, il est égal à 5010. Donc, ça veut dire que A2, il est actuellement ici. Qu'est-ce qu'on va faire Eh bien, on va descendre euh, de 12 caractères. Donc, A2, il est là. Donc, moins 1. Moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, moins 6, moins 7, moins 8, moins 9, moins 10, moins 11, moins 12. On arrive sur E7. Bon, là, je l'ai fait à la manière euh, la plus simple. Vous pouvez également calculer. On voit que là, on se retrouve sur 5000, 1, 2, 3. On se retrouve sur 5004. 5010 euh, moins 12 en 12, si on le représente en, en hexadécimal, c'est C. Du coup, bah, on fait 5000. 10-C, et on se retrouve du coup sur 5004. Mais voilà, et du coup, la mémoire, c'est ici, l'adresse à laquelle pointe moins euh, 12 de A2, c'est juste là. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là On remplace E72148C0 par 00065535. Donc, on sait que cette ligne-là. N'importe quoi. OK. Parfait. OK, on sait que ça, ça va là. Et 0, 0, 0, 6, 5, 5, 3, 5. Maintenant, notre mémoire, elle ressemble à ça. Parce qu'on a copié cette valeur hexadécimale à cet endroit-là. OK. Le suivant, cette fois-ci, on voit qu'il y a de la post-incrémentation. Du coup, qu'est-ce qui va se passer on nous dit comme quoi on veut copier. Ah oui, attention, parce que là on voit qu'il n'y a pas de hashtag. Du coup, quand il n'y a pas de hashtag, ça veut dire quoi Ça veut dire que ce n'est euh, pas une valeur instantanée. Et c'est directement une adresse. Parce qu'on l'a vu tout à l'heure, quand il y a un hashtag, ça veut dire que c'est une, euh, une valeur qu'on est directement en train d'assigner. Là, il n'y a pas de hashtag. Donc ça veut dire qu'en fait, on va aller chercher à l'adresse 5002, ce qui se situe. Donc l'adresse 5002, elle est juste ici ce qui s'y situe, et on va le copier dans A0, qu'on va ensuite incrémenter. Alors, move.word, donc ça veut dire qu'on va prendre 4 caractères, donc dans notre cas 18b9, parfait, donc ça c'est ce qu'on va copier, on veut le copier dans A0, A0 qui pointe à 5000, donc A0 il est juste là, donc on va remplacer la ligne directement 5000, ça sera plus 54 af, ça sera 18b9, encore 18b9. Et E7, 21, etc. Mais du coup, ce qui se passe, c'est qu'on allait récupérer à 5002 les valeurs qui s'y trouvaient avec l'extension Word, et on a copié ça dans A0. Mais maintenant, on veut faire la post-incrémentation, parce qu'il y a le plus. A0, bah, il est à 5000. On fait un changement sur un point Word. Du coup, on va l'incrémenter de 2. Donc A0 maintenant, après l'exécution. Il pointera sur l'adresse 5002 parce qu'on a fait du coup cette, euh, cette post-incrémentation. Et là il y a un vrai changement, c'est-à-dire que A0 il a vraiment changé. Ok parfait. Alors question suivante. On move be. Alors c'est-à-dire on va chercher directement à l'adresse A1 après cette décalée de e et on va copier ça dans A0 qu'on va incrémenter de d0.word et qu'on va diminuer de 12. Donc déjà, ce qui nous intéresse, c'est qu'est-ce qu'on veut copier. Alors attendez, je vais nettoyer ça. Parfait. OK. Alors déjà, la première chose qui nous intéresse, c'est savoir qu'est-ce qu'on veut aller récupérer. Donc A1, il pointe sur 5008. Et on veut le décaler de E. Donc 5008 plus E. Eux, du coup, c'est 14, donc on va faire un décalage de 14. Donc 5008, il est là: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. On arrive à 2D. On arrive à 2D, donc ça veut dire que on sait que maintenant on veut nous intéresser à quelque chose qui pointe à 2D, mais on voit qu'il y a une extension point B, donc en fait, on va juste s'arrêter à euh, point 2D et on va copier que celle-ci. Maintenant, où est-ce qu'on veut le mettre Alors, on veut le mettre à A0 qui pointe à 5000, auquel on va additionner d 0word qui est 12 en hexadécimal, auquel on va faire -12. Là, on se dit, ça fait 0, ça fait juste A0. Mais euh, pas vraiment, parce qu'en fait, là, c'est de l'hexadécimal. Du coup, en fait, on va aller, on va faire 5000 plus D0 qui est 0012. Du coup, on va se retrouver à 5012. Tout ça en hexadécimal. Du coup, c'est l'adresse qui est 5010, 5011, 5012, qui est juste là. Et on fait moins 12. Mais cette fois-ci, moins 12 où on se décale. Donc c'est moins 12 en, en décimal. Du coup, c'est. On va faire moins, moins C. Du coup, 5012 moins C. Et dans ce cas-là, ça nous renvoie directement à 5006. Ouais, 5006, c'est ça. Du coup, 5000, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est lui. Et là, on remplace euh, ce 48 par 2D. Du coup, là, le changement après ici, ça serait 54 AF. Ouais, il faut faire attention. On peut penser que c'est juste euh, plus 12, moins 12. Donc hop, on s'arrête à 0. Mais pas. Mais pas ça. Parce que là, c'est un décalage en décimale. Il n'y a pas de précision de. de de signes avant, enfin pas de précision de signe, pas de précision de, de base avant. Du coup, on part du principe que c'est en décimal automatiquement, en enfin, base 10, quoi. Et là, par contre, des 0word lui, c'est en hexadécimal. Donc, il faut faire très gaffe à ça. Du coup, 54AF, 3 petits points, euh, 2D, c'est 0. On remplace le 48 par 2D. Ok. Et euh, pas de changement, encore une fois, puisqu'il n'y a pas eu de post-incrémentation ou de pré-décrémentation Alors, le dernier. Euh, on va à A2. On se déplace de 4 et on veut euh, move un Word. Du coup, A2, il est sur 5010. On se déplace de 4. On se retrouve à 5000B euh, ou 5000C. De toute manière, on est là. Donc 1, 2, 3, 4. D4, donc là, on est ici. On regarde combien on veut en prendre. Point Word, donc on en prend 4 caractères. Donc D4, 36. On récupère le D436 et on sait que c'est ça qu'on va écrire. Ok. Maintenant, où est-ce qu'on veut l'écrire On veut l'écrire de A1, qu'on décale de D2 points longs, auquel on fait plus 38 en hexadécimal. 38 en hexadécimal, c'est positif, puisque ça commence par un 3. Euh, 3 sont en bits de point fort, c'est 0. Donc A1, pardon, c'est 5008, auquel on fait plus 38. Du coup, ça fait 5008 plus 38 en hexadécimal. 8 et 8, euh, 16, donc 0, 1, 4, 0, 5. Ok, parfait. On arrive à 5040, auquel on va additionner des deux points L. Des deux points L, c'est tout ça. On se rend directement compte que c'est euh, du négatif, puisque ça commence par F. Donc ça fait 1, 1, 1, 1 pendant 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc 6 fois. Donc il y a 24, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, c'est 4. Donc c'est 12, c'est 8 et 4. Et 4 c 4. Ok. On inverse tous nos signes. Donc tout ça on sait que ça fera que des 0, ça nous intéresse pas. Mais ici si 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1. On fait plus 1. Donc 1, 1, 1, 1, 1 0, 0. Et ça, si on le recode en bas 64, ça nous, fait, euh, ça nous fait 3 c. Ça nous fait 3C. Donc cette fois-ci, on sait qu'on doit faire 5040 moins 3C. Donc euh, 5040 moins 3C. On obtient euh, 0 moins C, ça me fait euh, 16. Euh, oh là là, attendez, ça date. Ça fait 16 moins 12, mais là je mets le plus 1, donc 16 moins 12, ça me fait 4 et 4 moins 4, ça me fait 0, voilà, on se retrouve à euh, 5004. Donc euh, voilà, on récupère le, a, le D2 point long, on fait son complément A2, puisqu'on voit que c'est négatif, on obtient 3C, du coup on sait que D2, sa valeur, c'est moins 3C, donc on a récupéré le A1, auquel on a fait plus 38, on a obtenu 5040, on fait le moins 3C, donc euh, euh, soustraction en hexadécimal, on obtient 5004. Donc on sait que maintenant, on veut copier D436 à l'adresse située à 5004. Donc 5000, 5001, 5002, 5003, 5004, ça commence à EF. Et on remplace EF21 par D436. Donc là, ça serait 54AF. Trois petits points. D4, 36, euh, 48, c'est 0. OK. Est-ce que c'est clair pour tout le monde et ça va Ou vous voulez que je revienne sur un des points de cette partie-là Ou euh, ça va, on peut continuer et voir euh, la suite C'est good Ok, parfait. Ouais, c'est un petit peu tricky quand même, euh, notamment les histoires de signes et de combien on se déplace. Mais en soi, il n'y a rien de fondamentalement euh, impossible à faire. Il faut s'entraîner et voir, mais ça, ça se fait tranquillement. Ok, alors. Euh, en assembleur, du coup, on a plusieurs flags qui existent, notamment le flag N, Z, V et C, qui représentent plusieurs choses. Chacun de ces flags, euh, on y a accès n'importe quand dans notre code. On peut, euh, quand vous utilisez le debugger, vous les voyez, etc. Et on peut les utiliser. Ces flags, ils sont updates à certains moments après certaines instructions et d'une manière différente. Du coup, on peut le voir en utilisant. Euh, le, la doc On peut savoir Quelle, quelle opération change quel flag Donc là on a tous les flags X, N, Z, V, C Et on voit lesquels sont changés Pour chaque opération Genre là on sait par exemple que ça ça va forcément mettre le flag C à 0 Et les autres, euh, les étoiles ça doit vouloir dire que ça dépend Mais ils sont changés Mais ça dépend de, de l'opération Donc on va revenir sur qu'est-ce que représente chaque flag Le flag N il représente négatif c'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait une opération, par exemple une addition, si jamais on obtient un nombre négatif, le flag N, il se retrouve à 1. Si jamais on a un chiffre positif, le flag N, il se retrouve à 0 parce qu'il est désactivé. Faut pas penser en mode euh... on a un... enfin bref, vous avez compris. Si jamais il est négatif le chiffre, le flag est activé donc il est égal à 1. Z, c'est pour 0. Donc quand notre chiffre, par exemple, si je fais euh, une opération où je fais 8-8, euh, bah, je vais obtenir 0. Ce qui va se passer, c'est que le flag euh, 0, du coup, bah, il va être activé. Il va passer à 1. C'est l'opposé. On peut se dire flag 0, bah, c'est 0. Non, 0. Le flag 0, quand on a un chiffre qui est égal à 0, le flag 0 est à 1. Sinon, il est à 0. V, c'est pour overflow. Un overflow, euh, ça apparaît quand Ça apparaît quand j'additionne un positif avec un nombre positif et que j'obtiens un nombre négatif ou quand je fais un nombre négatif moins pardon plus un nombre positif et que j'obtiens un positif c'est pas censé arriver ça normalement dans ce cas là on a un overflow et c'est c'est pour carry imaginons que je veux additionner euh, en sur du 8 bits donc deux caractères 83 et 84, ce qui va se passer c'est que je vais faire 3 plus 4, ça me fera 7. 8 et 8, ça me fera 0, j'ai une retenue, j'obtiens 107. Jusque-là, rien d'anormal, c'est ce que je suis censé obtenir. Le problème, c'est que lui il fait 8 bits, lui il fait 8 bits, mon résultat il en fait 12. Enfin techniquement 16, mais mon résultat là il en fait 12. Donc il y a eu une carie, on a débordé sur de combien on faisait notre calcul Bah là on a débordé, chose qu'on n'est pas censé faire. Ces flags, du coup, euh, ils peuvent nous être utiles, notamment quand on fait des branchements. Parce que comment ça marche le branchement Donc euh, les branchements, oui. Euh, dans le code, on peut écrire du coup les fonctions. Et euh, on peut avoir des branchements qui sont appelés les branchements conditionnels. Par exemple, BEK. Chaque branchement euh, diffère dans la manière dont il fonctionne. Mais BEK, en fait, ce qu'il va faire, c'est pour égal. Et c'est un branchement qu'on va faire avec une condition. Donc par exemple, on va faire un branchement vers une étiquette qu'on a créée avant. Donc euh, on a créé l'étiquette loop, voilà. C'est une, une loop classique quoi. Là, BEK, ce, -E ce qu'il va faire en fait, c'est qu'il va regarder le flag 0 et va dire ok, est-ce que le flag 0 Il est activé S'il est activé, ça veut dire que mon nombre, enfin ma dernière opération que j'ai effectuée, elle a euh, et elle, a, euh, elle est elle s'est terminée par un chiffre égal à 0. Donc imaginons que ma loop c'est une loupe où je fais euh, je, compte, euh, je commence à 14 et je veux loop sur 14 itérations donc je fais moins 1 à chaque fois. Dans le cas ici où j'ai fait ma soustraction de 1 sur mon registre D0 par exemple, et que D0 bah, il était bel et bien égal à 1 et que du coup bah, j'ai fait 1 moins 1 et que maintenant dans D0 il y a la valeur 0, B, le, le sub là, vu que D0 ça a été égal à 0, il va 7 le flag 0 à 1. Et BEK, il va dire, ah, je regarde le flag 0, en effet, il est égal à 1, et bien dans ce cas-là, je retourne sur loop. Bon, normalement, ça devrait être l'inverse, du coup. Mais l'inverse, c'est le flag BNE, qui lui, va tester qu'il n'est pas égal à 0. Donc, tant que le flag Z, il est égal à 0, BNE, il va nous brancher sur loop. Et à partir du moment où le flag Z, on le set à 1, BNE, ben, il ne va rien faire. Du coup, on ex il existe aussi euh, les branchements conditionnels pour savoir si c'est supérieur ou égal, strictement inférieur, inférieur, etc. En fonction de, euh, du signe ou pas du signe. Mais tout ça, vous pouvez les voir. Donc c'est, euh, par exemple... Euh, J'aimerais bien qu'on voit directement avec la... Ah voilà BLS, euh, voilà, par exemple, BHI qui va dire, est-ce que c'est... Strictement supérieur, là on voit le petit U, peut-être vous ne le voyez pas, mais juste ici au-dessus du hachi on voit un petit U. Et quand on regarde la doc, petit U ça veut dire unsigned. Donc ça veut dire que là on va tester si jamais il est strictement supérieur en non signé. Et en fait, qu'est-ce qu'il va faire le test Il va tout simplement regarder les, les, les flags. Donc ça marche comme ça. Pour dire si c'est strictement supérieur, on va regarder, on va dire est-ce que en faisant. Ah oui, parce que du coup on utilise CMP avant et CMP ce qui fait c'est que il est là on va set le CCR donc c'est tous nos flags en faisant DN donc le deuxième moins la source ça va nous permettre de les comparer et en fait une fois qu'on a set ces flags donc on va voir un exemple ça sera peut-être plus marquant imaginons que je fasse CMP donc D0 il est égal à 8 et D1 il est égal à 4 si je fais un CMP Will, be be set, will C be set in case of an add L overflow and thus C1 euh, non je réponds en français euh, je sais pas Bon, alors du coup non parce qu'en fait euh, on peut avoir une carie sans avoir un overflow dans le cas où je fais euh, 83 plus bon là c'était des négatifs mais dans le cas où je fais euh, 48 plus F 5, ça me fera 13, donc ça me fera euh, D. Et ça, on va dépasser. Ça me fera 3. Et ici, on a un chiffre en plus. Là, dans notre cas, on a additionné un nombre positif avec un nombre négatif. On a obtenu un nombre positif. Donc là, on n'a pas d'overflow. Le flag V, il est à 0. Par contre, le flag C, il est à égal à 1, parce qu'on a débordé. Du coup... C'est pas forcément. Euh, le flag C peut être égal à 1 sans le flag V. Et la même manière que le flag V peut être égal à 1 sans le flag C. Mais du coup, est-ce que C sera euh, 7 dans le cas d'un overflow sur le long Oui, il sera 7 aussi. Parce qu'on déborde dans tous les cas. Et du coup, on peut pas. Alors, pas ça que je voulais faire. Ok. Euh... Ah oui, j'en étais là. Et du coup. Ok. Du coup, si je fais comparer euh, D1 avec D0, qu'est-ce qui va se passer Pas de souci. Qu'est-ce qui va se passer C'est qu'on va set le CCR en faisant D0 moins D1. C'est ça. Normalement, non, c'est ça. Je veux juste vérifier. CMP DN moins DS. Ouais, c'est ça. Donc le deuxième moins le premier. Donc D0 moins D1. Donc qu'est-ce qu'on va faire On va faire 8 moins 4, ça fait 4. Euh, 8 est positif, 4 est positif, on obtient un nombre positif. Le flag C, il est égal à 0. On n'obtient pas 0, le flag Z, il est égal à 0. On n'a pas eu d'overflow, le flag V, il est égal à 0. Et euh, on n'a pas un nombre négatif, le flag N, il est égal à 0. Qu'est-ce qui va se passer après On va faire notre branchement en fonction de si jamais il est strictement supérieur. Et pour savoir s'il est strictement supérieur, on va dire le flac C ou le flac Z, et on va note tout ça. Donc là, dans notre cas, C, il est égal à 0, Z, il est égal à 0, donc C, or Z, bah, c'est égal à 0, et par contre, note 0, c'est égal à 1. Qu'est-ce qu'on sait En effet, on sait que D0 est strictement supérieur à D1. Là, grâce à ça, en regardant les flags, on voit que c'est strictement supérieur et que c'est vrai. Là, lower or same, par exemple, ça va être C or Z, et ben on sait que c'est pas, pas vrai. C or Z, ben ça me fait 0. Donc non. D0 est, en, est pas inférieur ou égal à D1. C'est comme ça que ça marche les instructions en fait. On fait une soustraction, ça set les flags, et après, à partir de ces flags, on peut tout savoir. On peut savoir si jamais ils sont égaux. Si jamais ils sont égaux, ben c'est juste que le flag Z est égal à 0, puisque ben, si on fait l'un moins l'autre. Et qu'on obtient 0, on sait qu'ils sont égaux. Et on peut savoir si jamais bah, il, il est plus petit, si jamais il est plus grand, si jamais il est supérieur ou égal, etc., etc. On peut tout savoir grâce euh, aux flags. Donc c'est super utile et c'est comme ça que ça marche du coup pour les comparaisons. J'étais parti dans mon truc mais je sais plus d'où je revenais de base. Euh, ok, donc les flags ils sont 7, ça nous permet pour les comparaisons. Et voilà, ils sont 7 à partir des opérations. Certaines opérations ne cèdent pas les flags mais ou ne cède pas tous les flags. Par exemple, si jamais je, je bouge un élément dans un registre, ça a pas cède le flag carré, parce que c'est pas possible. Enfin, ça, ça fait rien de, de bouger un élément. On va pas avoir, euh, on va pas avoir une retenue, alors que il s'est rien passé. Ok. Alors, du coup, on a des exercices qui sont liés aux flags pendant les partiels. Où on doit du coup trouver le nombre manquant sous sa forme hexadécimale en fonction de la taille de l'opération et de la valeur des flags après l'opération. Du coup là, qu'est-ce qui se passe Ils sont, voilà, c'est là. Qu'est-ce qui se passe On sait que on fait une addition. Dans notre cas, on sait qu'on fait une addition et que cette addition, c'est 7A plus un nombre mystère en, en hexadécimal sur 8 bits. Et on sait que le résultat il est négatif. Par contre, qu'est-ce qu'on sait On sait que ce n'est pas égal à 0, ok. Qu'il n'y a pas eu d'overflow. Et qu'il n'y a pas eu de retenue. Donc à partir de ça, on peut déduire plusieurs choses. Première chose qu'on peut déduire, c'est que le nombre manquant, s'il n'y a pas eu de retenue, il est toujours sur 8 bits. Du coup, il y a deux chiffres. S'il n'y a pas eu d'overflow, ça veut dire que. Euh, et qu'il est négatif. Et que 7A, on voit que c'est un nombre positif, donc plus, on va l'additionner avec, on va découvrir le signe après, et on obtient un nombre négatif. Le seul moyen qui est pas d'overflow, c'est que ça soit un négatif. Parce qu'on se rappelle, si jamais j'avais additionné qu'un positif et que j'avais obtenu un négatif, automatiquement ça implique que le flag overflow il serait 7a1. Mais là, ce n'est pas le cas. Donc ça veut dire que mon nombre manquant il est négatif. Donc, je sais que j'additionne un positif. Avec un négatif, enfin j'additionnais 7A avec un nombre négatif et que j'ai obtenu un nombre négatif encore une fois, qui n'a pas débordé, ce qui fait que je ne peux pas déborder euh, de, de bits et euh, qui n'est pas égal à 0 Donc, ok, comment je fais Je veux le plus petit possible. Je sais que si jamais j'additionne, donc le plus déjà il me faut le plus petit nombre négatif, le plus petit nombre négatif c'est 80. Le plus petit nombre négatif c'est 80. Pourquoi Parce que bah, si jamais en dessous c'est 7, 6, 5, etc., bah tout ça, l'orbite de point fort, euh, bah c'est 0. En dessous de 8, tout l'orbite c'est 0. Donc je sais que le nombre le plus petit que je peux avoir, c'est 80. Qu'est-ce qui se passe si je fais 7a plus 80 7a plus 80, j'obtiens A. 7 et 8, j'obtiens euh, 15. F. J'obtiens FA comme résultat. Si j'obtiens FA comme résultat, c'est en effet un nombre négatif, c'est pas égal à 0. Il n'y a pas eu d'overflow parce que lui il est positif, lui il est négatif, et j'obtiens un nombre négatif, et il n'y a pas eu de retenue parce qu'on est encore sur 8 bits. Du coup, 80 est la bonne réponse. Il y en a d'autres qui sont possibles. J'aurais très bien pu additionner avec 85 au lieu de me donner euh, FA, ça m'aurait donné F. F, c'est toujours valide. Le problème, c'est que nous on veut le plus petit. Du coup, c'est pas 85, c'est 80. Par contre, on se rend compte que si jamais je prends un chiffre au-dessus de 85, notamment 86, ce qui se passe, c'est qu'au lieu de me faire 7 plus A, enfin du coup, 7a plus 86, ça me donne A plus 6, ça me fait 16. 16, ça me fait une retenue. Et là, je fais 8 plus 8, ça me fait 16 aussi, ça me fait une retenue, j'obtiens 100. Et là, dans ce cas-là, il y a plusieurs problèmes. Pourquoi Parce que là, on a un overflow. Parce que. Euh... Non, on n'a pas d'overflow, pardon. On a, une... on a une retenue. Et en plus, vu que de toute manière, nous, on ne se concentrera que sur ce résultat-là, puisque le résultat est sur 8 bits, on a un chiffre égal à 0. Du coup, dans le cas où on fait cette opération, on obtiendrait ces flags-là. On n'a pas un nombre négatif, c'est égal à 0. On a eu une retenue, parce qu'on a débordé. On n'a pas eu d'overflow. J'ai additionné un positif avec un négatif, euh, j'ai obtenu un positif. Et on a le flag Z qui est égal à 1, pardon. Donc là, les flags ils correspondent pas. Donc encore une fois, on sait que le, le meilleur moyen, enfin le seul moyen d'ailleurs, c'est 80, puisqu'on veut le plus petit. Alors, regardons les suivants. Parfait. Cette fois-ci, on additionne 7a avec un nombre mystère sur 16 bits. Bon, du coup, 7a, en réalité, on va additionner 0, 0, 7a avec notre nombre mystère. Qu'est-ce qu'on veut Donc, 7a, il est positif, encore une fois. Alors, on veut un résultat qui sera négatif, qui n'est pas égal à 0, sans overflow et sans carry. Du coup, bah en fait, c'est la même chose que tout à l'heure. C'est-à-dire que là, on a un nombre négatif. Et qu'est-ce qu'on se rend compte rapidement C'est que euh, la bonne réponse... Bah ça va être la même chose mais juste on va ajouter des 0 pourquoi parce que le plus petit nombre négatif possible de l'écrire sur 16 bits bah encore une fois c'est 8 0 0 0 et si j'additionne 0 0 7 a avec 8 0 0 j'obtiens a 7 0 8 c'est un nombre négatif c'est pas égal à 0 j'ai pas eu de retenue et j'ai pas eu d'overflow parce que encore une fois positif Négatif, négatif. Et du coup, j'ai pas eu d'overflow. Du coup, la bonne réponse pour celui-là, c'est 8, 0, 0, 0. Et bon, le suivant, bah, on se rend compte que 32 bits. Du coup, c'est encore une fois exactement la même chose. Juste, faut rajouter des zéros. Donc 8, 0, 0, 0. 1, 2, 3, 4. On met 8 caractères parce que euh, 32 bits. Donc, bon, en vrai, lui, il n'est pas forcément... Enfin, il n'y a, a qu'un seul truc à faire. C'est la même chose pour toute la suite. Mais voilà, vous comprenez quand même l'idée pour euh, l'hexadécimal Ce que je pense qu'on pourrait faire, qui serait bien, c'est de récupérer. Euh, ça c'était par. Ça c'était. Est-ce que le moment où il y a des additions à faire et voir quel flag ça c'est. Voilà. Ça c'est bien. Ça permettra de mieux comprendre euh, comment les flags euh, fonctionnent à mon avis. Alors là, du coup, ce qui se passe, c'est qu'en fait, on nous demande de faire du coup euh, un calcul. On nous dit vous faites ce calcul, tu donnes le résultat, et en plus de ça, t'expliques quelles flags ont été activées. Du coup, qu'est-ce qui se passe Alors, le premier calcul à faire, c'est f, f plus 0,2. Première chose, FF, il est négatif. 0,2, il est positif. Euh, du coup, on fait notre addition. Alors, F plus 2, ça va me faire 1 et une retenue. F plus 1, ça va me faire 0 et une retenue. Ok. Qu'est-ce qui se passe Première chose que je vois, j'obtiens un nombre euh, qui est positif. Négatif plus positif. Ah oui, déjà, on va se concentrer que sur le résultat. Le résultat, on le veut sur 8 bits. Du coup, on se concentre que sur le 0,1. Et euh, le 1 qui est là, on ne s'en occupe pas. Du coup, notre résultat, c'est 0,1. Notre nombre, il n'est pas négatif. Puisque bah, 0,1, c'est positif. Il n'est pas égal à 0. On n'a pas eu d'overflow. On a fait un négatif plus un positif. On a obtenu un positif. Par contre, on a eu une retenue. On voit que là, on a débordé par rapport à la taille euh, qu'on avait le droit de base. Du coup, euh, les trois premiers flags, ils sont 7 à 0. Par contre, la carie, elle est 7 à 1 parce qu'on a eu cette fameuse retenue. OK. La question d'après, on additionne 0, 0, FF et 0, 0, 0, 2. Cette fois-ci, donc ça donne le même résultat, ça donne 1, 0, 1. On ne va pas le refaire. Mais cette fois-ci, lui, il est positif. Lui, il est positif. Et j'obtiens un nombre. Positif, donc déjà le résultat 0, 1, 0, 1 Alors, c'est pas négatif C'est pas égal à 0 J'ai pas eu d'overflow, positif plus positif, positif Et j'ai pas eu de retenue Parce que cette fois-ci on était sur 16 bits Du coup même si c'est la même addition, entre guillemets Vu que la taille du résultat est plus grand, Ça nous a permis de pas avoir euh, cette retenue qui existe donc dans notre cas, on n'a pas de retenue. Ok. Question d'après, on fait f, f f f f plus f f f f négatif plus négatif f plus f ça me fait quoi Ça me fait e avec une retenue. F plus f plus 1 ça me fait f avec une retenue. F plus f plus 1 f avec une retenue. F plus f plus 1 f avec une retenue. Donc ça me fait 1 F, F F E. On se concentre que sur le F, -F, -F E. Du coup, le résultat, c'est F, 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 E. Négatif plus négatif, on obtient un négatif. Donc, le flag négatif, il est 7 à 1. Euh, notre chiffre il n'est pas égal à 0. On n'a pas eu d'overflow, puisqu'on a fait un négatif plus un négatif et qu'on a obtenu un négatif. Par contre, on a eu une retenue. On voit que ici le 1 il n'est pas censé être là. Du coup on a eu une retenue. Donc dans notre cas les flags ils ressembleraient à ça. Et enfin le dernier c'est F F F F F F F F 8 0 0 0 0 0 0 0. Du coup c'est un nombre négatif c'est un nombre négatif donc le résultat ça fera F F F F, 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 F. 8 et F, qu'est-ce que ça me fait Ça me fait 7 avec une retenue. Alors, le résultat du coup, c'est 7F, F, F. On obtient, donc le 1, on s'en fiche, mais on sait qu'on a eu une retenue, un nombre qui est positif. Donc, le flag N, il est 7 à 0. Le flag 0, il est 7 à 0 parce qu'on n'a pas eu un résultat qui est égal à 0. Par contre, on voit que négatif plus négatif, on obtient donc positif. Ce n'est pas censé arriver. Du coup, on a eu un overflow. Donc dans notre cas, euh, le flag V est 7 à 1 pour euh, ce fameux overflow. Donc voilà, pour... Euh, je pense que normalement, vu que généralement ça, ça suit à peu près la, la même trame, vous devriez plus avoir un exercice pour les partiels euh, qui ressemblent... Euh, aux, aux années d'avant, c'est-à-dire quelque chose où on vous demande de trouver le chiffre manquant, donc quelque chose plus comme ça. Mais c'est toujours utile de, de savoir faire les deux et de bien comprendre comment sont faites les flags après chaque addition, soustraction euh, ou quoi que ce soit. Mais du coup, pour trouver le nombre manquant, voilà, déjà vous regardez les flags. Du coup, vous pouvez tout de suite déduire si le nombre est positif ou négatif, la taille qu'il doit faire, et après, bah, vous retrouvez le, le plus petit. Ok, alors l'exo d'après c'est du code. Du coup, dans ce code, on a une exécution du code et ce qu'on doit faire, c'est trouver à quoi est égal les registres à la fin. Enfin, à quoi sont égaux les registres à la fin. Donc, on a une, euh, un programme qui s'appelle main, enfin une étiquette main. Qu'est-ce qui se passe Ce que j'aime bien faire, c'est bah, garder le compte en fait à côté. Donc, d7, première chose que je sais, il est égal à moins 256. Moins 256, on va le mettre en binaire, c'est 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Et si on le remet en hexadécimal, ça me fait 80. Du coup, D7, il est égal à 80. C'est mieux de travailler en hexadécimal. Il faut faire attention, on voit qu'il n'y a pas de signe ici. Donc c'est vraiment euh, juste... Euh, c'est du décimal. Ok. Euh, alors, ce que je fais... Non, du coup, il n'est pas égal à 80 puisque c'est le complément à... Non, il est pas égal à 80. C'est n'importe quoi. Ok, on va laisser moins 256. Parce que j'ai pas envie de. On va laisser moins 256. On verra si on a besoin après de refaire. Qu'est-ce que je fais Je mets 1 dans D1. Donc D1, il est égal à 1. Je teste D7. Donc TST, on peut voir la doc. TST, ce que ça fait, c'est qu'en fait, ça va tout simplement. Set les flags, quand vous n'êtes pas sûr de ce que fait un truc euh, La doc, toujours là TST, ça peut faire des, des Ça peut prendre l'extension B, W ou L Et Test D en setup Le CCR, ça va mettre N et Z En fonction de la destination Donc on va vraiment set N et Z En fonction de ce qu'on lui donne Du coup, il faut faire attention Parce qu'en fait, on teste le point B De D7 Du coup, on va tester que euh, les, euh, les deux derniers Bon du coup je suis obligé de mettre 256 en... en ok donc 256. Il ressemble à ça. Si je le passe en négatif, ça me fait 0 1 1 1 1 1, 1, 1. Euh, plus 1. Bah en fait c'est la même chose. Super. Ok donc en fait moins 256 c'est bel et bien ça et du coup c'est 80. En fait on était bon dès le début. Euh, ce qui se passe c'est que je vais faire un test point b. Ah non, je move sur un, je move sur un, un Word. Du coup, c'est 0, 0. Ah, attendez. On move sur un Word. Du coup, c'est. C'est tout ça. Donc, j'inverse tous les bytes. Ça va me faire ça. Je fais mon plus 1. Ça revient quand même au même. Ok, oui, c'est ça. Oui, ok. Du coup, ça en fait. Ok, pardon. Du coup, le résultat, c'est ça. Ok, il n'y a pas de souci. Nickel. Ok, donc on fait ça. On fait un test.b sur D7. Donc, test.b, on va se concentrer que sur ça. Ça va me set le flag n à 1. Et ça va me set le flag z à 0. Puisqu'il est négatif, mais il n'est pas, pas égal à 0. BEK, comme on l'a dit tout à l'heure, ça va tester si le flag z est égal à 1. BEK pour faire son branchement. Voilà, ça va juste tester le flag Z. Le flag Z, il est égal à 0. Du coup, on ne fait pas notre branchement et on continue sur la ligne d'après. La ligne d'après, qu'est-ce qu'elle nous dit Elle dit qu'on set up D1 à 2. Du coup, maintenant, D1, il est plus égal à 1. Enfin, on move euh, 2 dans D1. Donc, D1, il est égal à 2. En hexadécimal. Ou bon, en décimal, c'est la même chose. OK, parfait. Donc, D7, il est toujours égal à ça. D1... Il est égal à ça, parfait. On continue l'exécution du code. On arrive là. D2, on lui met 1 dedans. On compare sur le Word moins 5 et D7. Du coup, moins 5, euh, on va le laisser avec moins 5. De toute manière, ce n'est pas important. Et on va faire un BLE. BLE, qu'est-ce qu'il fait BLE, il regarde s'il est less or equal en signé. Donc est-ce que D7 est Inférieur ou égal en signé à moins 5 On peut se dire que oui, puisque D7 c'est égal à moins 256. Mais attention, D7, c'est tout un word, ce qui fait que c'est 0,080. Et en réalité, D7, bah, il est positif. Si on prend le D7.word, lui, il est positif. Et du coup, quand on compare moins 5 et D7, bah, D7, il n'est pas inférieur ou égal. À euh... Non, parce que du coup c'est moins 5. Laisse orequal. point Oui. Oui c'est ça. Oui c'est ça, c'est moins 5. Moins 5, il est inférieur ou égal à D7. Pardon, excusez-moi. Moins 5, en effet, il est inférieur ou égal à D7. Du coup, ce qui se passe, c'est que... Euh... On pourrait penser que non, parce que D7, c'est moins 256. Mais pour le coup, si. Du coup, on branche directement à Next3 et on va là. Et donc, D2, on le laisse égal à 1. Ça, c'est D2. On le laisse égal à 1 et on ne le passe pas égal à 2. Ok. Alors, euh, question d'après du coup. M3. Attendez. Oui, c'est ça. C'est quoi en hexa moins 5 euh, Moins 5 en hexa, ça nous donne du coup 5. Tu 5, du coup c'est 4, 5. Tu le passes en complément à 2, donc 1, 0, 1. 0, tu fais plus 1, ça me fait 1, 0, 1, 1. Et en hexa, ça, ça nous donne 8 et 3, ça me donne 11, c'est B. Moins 5 en hexa, c'est B. Normalement. Oui, c'est ça. Alors, attendez. Ok. Euh... Ok, merci, parfait. Nickel. Alors, du coup, maintenant, euh, on passe euh, pour euh, D3. Donc, D3, on le set à 0. Ouais, D3, du coup, on le set euh, directement à zéro. Ouais, D3, on le met à zéro. Qu'est-ce qu'on fait ensuite Alors, on met... Tac, ça... Non, pas ça. Ça branche si D7 est inférieur ou égal à moins 5, je crois. Pas le contraire. Alors, euh, bon, on va regarder. C'est possible. CMP... CMP source destination, on fait, on compare la destination avec la source. Et du coup, BLE, BLE less or equal. Non, du coup, c'est D7 inférieur ou égal à moins 5. On branche. Euh, alors attends On va regarder la correction au pire On faisait lequel 2021-2022 le partiel S4 2021-2022 partiel S4 Alors D2 il est égal à 1 Mais du coup D7 inférieur ou égal à moins 5 Mais D7 il est supérieur à moins 5, ça c'est sûr. Enfin, le point Word en tout cas de D7. Ah, mais non Mais attends. Oui, oui, oui. Ok, pardon. Excusez-moi. En effet. Le problème c'est que oui, t'as totalement raison. Excusez-moi. Euh, on compare moins 5 en Word, ce qui fait que c'est égal à tout ça. Ce qui fait que c'est égal à tout ça. Et que euh, D7 c'est égal à 0, 0, 8, 0. Mais du coup, D7 reste supérieur. D7 reste supérieur. Du coup, pourquoi on ne branche pas D7 inférieur ou égal. D7, il n'est pas inférieur ou égal puisqu'il est égal à 0,080. Et on compare moins 5, qui est égal à B, puisque 5, 0, 1. C'est ça, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 8, et 3, 11, F, 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 B, et, ok, ok, oui, en même temps, si je fais n'importe quoi, excusez-moi, ok, j'ai n'importe quoi depuis le début, ok, on reprend, D7, c'est égal à ça, je suis désolé, je, je viens de me rends compte de ce que je faisais. Ok, D7 en binaire, ça c'est 256. On veut le reconvertir euh, en négatif, du coup ça me fait tout ça. On fait plus 1 pour avoir le complément à 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. et ça en réalité, du coup, c'est FF euh, 80. Donc D7, c'est pas du tout égal à 0080, c'est égal à FF80. J'avais pas fait euh, l'entièreté et du coup j'avais dit que c'était D7, dé... enfin c'était 00. Je suis désolé pour ça, j'aurais dû tout faire. Donc D7 c'est égal à tout ça et euh, 5, enfin le moins 5. Du coup, si on représente 5, enfin si on représente juste 5, mais sur euh, sur euh, 16 bits, puisque c'est en extension .Word, du coup on est sur 16 bits. Ça représente ça. Ça se représente comme ça. On fait le complément à 2 On fait plus 1. On obtient 1, 0, 1, 1. Ce qui... Là, ça, c'est un 1. Ça nous fait F, 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 B. Parfait. Et donc, on va comparer ça. Et en effet, dans notre cas, D7 est bel et bien inférieur ou égal à euh, FFFB. Et du coup... On passe euh, à next 3 parce que D7 est inférieur ou égal à, à, à moins 5. Ok. Je suis désolé par rapport à ça. Mais du coup, oui. Donc on branche à moins 3 dans ce cas-là. Et du coup, D2 reste égal à 1 de toute manière. Mais euh, c'est pour ça. Donc D7 c'est égal à FF80 et pas du tout 0080. J'avais pas fait le complément à 2 jusqu'au bout. On est sur un point Word. Ok, parfait. J'espère que ça a pas trop embrouillé et que c'est clair. Donc on passe au suivant. Euh, D3, on le clear. Du coup, bah D3, on sait qu'il est égal à 0. Mais sur 32 bits en hexadécimal. On met euh, 308 dans D0. D0, on n'y a jamais touché avant. Et on move.word. Du coup, D0, c'est égal à 0 308. Qu'est-ce qu'on fait On add 1 à D3. Et on va. Donc on rentre dans une loupe. Et ce qu'on fait, c'est qu'en fait, on va add 1 à D3 sur le point long, et on va sub 1 à D0. Et tant que donc notre résultat n'est pas égal à 0, on loupe. Ce qu'on peut se dire, c'est OK, j'add 1 à D3, j'enlève 1 à D0, et tant que D0 n'est pas égal à 0, je loupe. Donc automatiquement, je vais faire 308 itérations, donc D3 il va être égal à 308. Mais ce n'est pas le cas. Pourquoi ce n'est pas le cas Parce qu'en fait, on fait une soustraction sur le point B de d0. Et le point B de d0, c'est juste 08. Ce qui fait qu'en fait, on va pas faire 308 itérations. On va en faire que 8. Et on va add 1 à d3 à chaque fois qu'on aura sub 1 à d0, mais bah ça va faire 07, 06 et ça sera arrivé à 00. Et du coup, bah d3 à la toute fin, il sera égal à 08. Enfin, tous les 000 0, 0, 8. D3, du coup, il sera égal à ça. Pendant que D0, quand on va sortir de la loupe, il sera égal à 0 300 À la sortie de la loupe, ici, là, D0, il est égal à ça. Et D3, il est égal à 8. Ok. Du coup, là, il faut vraiment faire gaffe. C'est juste des petits pièges avec les extensions, encore une fois. Enfin, ça a été ça depuis le début. Ce qu'on fait ensuite, c'est qu'on clear D4. 256, c'est pas. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Si c'est... 256. Puissance 0, 1, 2, 3. 256 c'est 2 puissance 8. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je l'ai mis à 2 puissance 7. Oh l'enfer. Oh l'enfer, c'est totalement ça. Oh l'enfer. Ok. Alors attendez. Ok, ça... Cette partie-là, c'est bon, on la laisse. On va reprendre de 0. Donc, du coup, en effet, c'est 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. En même temps, si je ne sais pas compter mes puissances, c'est sûr. Merci beaucoup. Ok, du coup, ça, c'est 256. On fait le complément à 2. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 0. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Euh, on fait plus 1. 1, 2, 1, hop. Ok, bah ça a changé beaucoup de choses. Ce qui fait que D7, en fait, c'est FF00. 0. Ça, c'est D7. Ok. D7, c'est égal à ça. Donc là, on met 1 dans D1. D1, c'est égal à 1 on teste D7, donc que le point B, donc en fait on teste le 0,0 0 de D7, et s'il est égal à 0, on va à next2. Du coup en fait, on fait pas cette exécution-là, on va directement à next2, puisque le point B de D7, c'est égal à 0. Je fais... En effet, D1, c'est égal à 1, tout à l'heure j'avais dit que c'était égal à 2, c'est égal à 1, D2, c'est OK, bon, D3 on a bon, c'est égal à 8, OK, ça c'est cool déjà. Au moins je ne suis pas trompé sur ça. Donc D1 c'est égal à 1. On passe à next 2. Euh, on compare moins 5. Donc moins 5, on avait dit que c'était égal à F F B 0. Là-dessus, euh, c'est bon. Et on compare les deux. Et du coup, encore une fois, ça ne change rien. Euh, D7 est quand même euh, inférieur à euh, le moins 5. Il est quand même inférieur. Du coup, on peut. Euh... Ouais, c'est ça, il est quand même inférieur. Du coup, on passe à next 3. Et on reprend ici. Du coup, D2 est égal à 1. Mais en effet, euh, D7, c'est FF00 et pas du tout FF80. Euh, Je me suis trompé dans. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 0. Oui, c'est ça, ok. Oui, donc oui. Ok, je pensais que je m'étais retombé. Non. FF, du coup, c'est. Euh... Enfin, D7, pardon, c'est FF00 0 et pas FF80 comme j'avais pu dire avant. Ok. Euh, on passe à Next 4, qui fait qu On clear D4. Du coup, D4, c'est égal à 0. On move sur le point Word 25 dans D0. Du coup, D0, on a dit qu'il était égal à ça. Mais on va l'overwrite. En écrivant sur euh, directement les 4 en lui mettant 25 du coup 25 si on le convertit en hexadécimal ça fait 1 et euh, 9 ça fait 19 9 en hexadécimal ouais 16 et 9 oui 25 ok donc ça c'est des 0 parfait et ce qu'on va faire c'est que on va donc notre loop elle commence ici on va add 1 sur le point long de d4 et on va faire des bras de d0 euh, sur la loupe. Des bras, ce que ça fait, c'est qu'en fait, ça va faire moins 1 à d0 à chaque itération du débras. Chaque fois qu'on va faire le débra, ça va faire moins 1. Et si d0, tant que d0 est différent de moins 1, on va retourner sur la loupe. En fait, une loupe des ça va faire n plus 1 itération euh, de la valeur qui est ici. Pourquoi on n'a pas 319 pour d0 euh, parce qu'en fait, ouais, pourquoi on n'a pas 319 Parce qu'on move sur le point word. Donc D0 avant c'était égal à 0.300. Ouais c'est ça, c'était égal à 0.300. Ce qu'on fait c'est qu'on move sur le point word. Du coup, le point word de D0, c'est tout ça. Et euh, Mais même sur si la pas clair, en fait, vu qu'on move sur son point word, ça va l'overwrite. Donc en fait, on va prendre la, la, la valeur de. Donc 25, qu'on va écrire en hexadécimal. Donc c'est 19. Et en fait, on va directement la mettre dans des zéros. On va overwrite. Ce n'est pas un add, c'est un move. Du coup, on va, la, on va directement la mettre. Par contre, si ici c'était un move.b, dans le cas où c'était un move.b, on se serait concentré que sur ça. Et on overwrite que le 0.0. 0. Et dans ce cas-là, ça aurait été égal à 319. Mais vu qu'on fait un move.w, euh, on, on réécrit sur toute la mémoire. Ok. Du coup, un débra qui prend un registre qui a une valeur n à l'intérieur, qui te renvoie sur une loupe, on, on va faire n plus 1 itération, parce qu'on veut que euh, ça va continuer à loupe tant qu'il est différent de moins 1. Du coup, dans notre cas, étant donné que euh, d0, il est égal à 0,019, on va faire n plus 1 itération, donc c'est-à-dire 0,019, et étant donné qu'à chaque itération qu'on fait on ajoute 1 à D4, et ben on sait automatiquement que D4 il sera égal à 0,01A. Puisqu'on a fait n plus 1 itération pour, pour, pour chaque D0. Ok, désolé pour euh, le cafouillage. Vraiment là. Euh, Je suis désolé par rapport à ça. J'espère que quand même ça c'est clair et que vous avez pu comprendre euh, pour la suite. Et au moins l'ensemble euh, par rapport à, à comment faire. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Sinon, euh, je sais pas trop. Je pense qu'on va peut-être s'arrêter là. C'était nickel, parfait. Euh, je... Parce que la partie code, je vais voir s'il y en a pas un que ça peut aller, parce qu'honnêtement, j'ai pas fait de code d'assembleur depuis un moment. Move sprite qui déplace un sprite. Juste si on peut revoir vite fait les conversions. J'espère les conversions euh... binaires, hexadécimal, décimales, euh... hexadécimal. Dis-moi si tu vois le ça. Ouais, ok. Ouais, on peut revoir ça, c'est pas un souci. Euh... Pour euh, les autres, désolé, je pense pas qu'on va vraiment faire du code. Si vous avez des questions sur du code, euh... ok, pas de souci, on va revoir ça. Si vous avez des questions sur du code, n'hésitez pas à les poser. Euh, je sais qu'il y avait. Une personne qui n'avait pas compris pourquoi un code euh, fonctionnait de cette manière ou quoi que ce soit dans le channel architecture, n'hésitez pas à les poser là ou même venir me voir en DM sur pourquoi la correction elle est comme ça. Je pourrais vous aider là-dessus, c'est pas un souci. Par contre, vous montrer pour le code, ça va être un peu plus compliqué. Juste rappelez-vous que j'arrive sur les corrections juste après. Les conversions, pardon. Juste rappelez-vous que on veut en enqueue... enfin on veut euh... pas en on veut euh, stacker. Les registres qu'on sait qu'on va modifier. Donc Move M, ça va nous permettre de, euh, de mettre plusieurs trucs en même temps dans, dans la stack. Donc la stack c'est A7. Parce que comme ça, en fait, on veut que quand on rentre dans un sous-programme, donc là dans notre cas strrev, les valeurs avec lesquelles on va modifier les valeurs d'entrée, on veut pas les modifier en sortant. Elles sont importantes. Du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on les stocke dans la stack en faisant de la prédécrémentation. Parce que du coup, notre stack elle ressemble à ça, on va remonter des valeurs et on va mettre ce qui nous intéresse dedans. Et une fois que on a fini de faire tout notre code, faut bien penser à les récupérer. Du coup, bah, on va récupérer ce qu'il y avait dans A7, les mettre ici et réavancer le pointeur de A7. Donc ça veut dire qu'on va sortir ces deux trucs. Le pointeur, il était là, on va le réavancer ici pour nous permettre d'avoir toute notre stack qui est euh, libre avec euh, toutes les données. Et donc, faut vraiment penser à faire ça le RTS à la fin pour, pour sortir de la boucle, enfin, de la boucle, pas du tout du sous-programme. Et ouais, voilà, faut penser, à, faut bien penser à récupérer les, les données, les stacks et après les, les ressortir. Parfait. Alors, pour euh, les conversions, pour les conversions euh, en négatif, en fait, ce qui se passe, c'est que par exemple, si on veut faire 107, on commence tout ce que j'aime bien faire, j'aime pas passer directement du décimal à, à base 16. Euh, je, trouve ça un, je, connais plus, je connais mieux mes puissances de 2 que mes puissances de, de 16. Du coup, ce qui est bien, c'est de le reconvertir en puissance de 2. Du coup, bon, euh, 107 divisé par 2, ça me fait euh, 58 et ça me fait 1 de retenue. 58 divisé par 2, ça me fait 26 et 0. Je le divise par 2, ça me fait 13 et 0. 13, je le divise par 2. Ça me fait 6 et une retenue. 6, je le divise par 2, ça me fait 3 et pas de retenue. 3, je le divise par 2, ça me fait 1 et une retenue. 1, 2, je le divise par 2, ça me fait 0 et une retenue. On remonte, on obtient un 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64. Ouais, c'est ça, ça me paraît bien. 64 et 32, ça me fait euh, donc 64 plus 32 plus. 8 plus 1. Ça me fait 41 et 65 plus. 41. 64 plus 41. Pourquoi je ne tiens pas du tout 107 1, 1, 0, 1. Ah oui, parce que je ne sais pas copier. Là, c'est 1, 1. 1, 1, 0, 1. 0, 1, 0, 1. 0, 1, 0, 0, 1. Non, c'est pas dans cet ordre-là, c'est dans l'ordre que j'avais fait. Donc là, c'est bien un 0, mais j'ai dû me tromper dans une division parce que 64 plus 32, ça me fait 96. 96 et 8, ça me fait 104, 105. Il manque 2 parce que 107 divisé par 2. Ah oui, mais je ne l'ai pas mis, ça me fait 1 ici. 107 divisé par 2, ça me fait 1. 58 divisé par 2, ça me fera 26 avec 0. Parce que ça, c'est 29. Je suis fatigué, je suis désolé. Ok, on reprend d'ici. 29 divisé par 2, ça me fait 14 avec une retenue. Je redivise par 2, ça me fait 7 avec une retenue. Je redivise par 2, ça me fait 3 avec une retenue. 3, je le redivise par 2, ça me fait 1 avec une retenue. Que je divise par 2 euh, ça me fait 0 avec une retenue on va faire ça comme ça 107 1 1 0 1 0 1, 1. Ouais, bon. ok donc c'était ça mais je sais pas euh 1 1 0 1 0 1 1 Ouais, c'est ça. Puisque du coup, plus 2, j'obtiens bien 107. Là-dessus, tu sais c'est pas un souci. On pourrait revoir Next 2 de l'Exo 3 du terme de S4 de cette année avec l'erreur. Ah putain, j'ai oublié de faire les... les rotations et les swaps. Oui, ok. Je finis juste ça rapidement. Et après, on revient. On... J'ai oublié les rotations et les swaps. Ouais, c'est vrai. Et On en a pas eu dessus. Du coup, je l'ai pas pensé. Mais on va revoir ça tout de suite. Ok. Donc, on était sur 107. 107. Enfin, si on veut faire moins 107, pardon. On commence par réécrire 107 en conversion normale 1 2 3 4 donc je rajoute un 0 pour que je puisse le mettre en en hexadécimal donc ça ça me fera en hexadécimal ça me fait 8 et 3 ça me fait C et là ça me fait 4 et 2 ça me fait 6 ça ça me fait 6C donc juste 107 si on le représente en hexadécimal c'est 6C mais ce qu'on veut faire pour le représenter en négatif c'est faire son complément à 2 donc le complément à 2 c'est on inverse tous les chiffres donc ça, c'est le complément à 1, inverser tous les chiffres. Et après, on fait plus 1. Et du coup, ça nous fait 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1. Et là, ça, c'est comment on représente moins 107 en binaire. Ça, c'est la représentation de moins 107 en binaire. On peut le reconvertir en hexadécimal. Ça, ça fait 9 et 0, 1, 0. Ça, ça me fait euh, 5. On voit que 9... Bah, ça commence par un 1. Donc on a bel et bien un chiffre, enfin euh, un, un, un nombre qui est, euh, en, qui est négatif. Et du coup, 107, c'est ça. On fait le complément à 2. On fait plus 1. Et on obtient moins 107. La représentation de moins 107. Et ça marche dans l'autre sens. C'est-à-dire que si on prend euh, moins 5, du coup, comme tout à l'heure, c'était 1. Donc 5, c'est 1. C'est 0, 1, 0, 1. Ça, c'est 5. On fait euh, le complément à 2. On obtient 1, 0, 1, 1. Plus 1, 1, 1, 0, 0. Voilà. Ça, c'est la représentation de moins 5. Donc là, on sait que ça, c'est moins 5. Je vais le montrer pour euh, que ça marche aussi dans l'autre sens. Et moins 5. Si jamais, du coup, on veut le repasser en positif, on peut faire le complément à 2. Donc 0, 0, 1, 1. On refait note plus 1. Et on obtient 0, 1. Non, parce que 5, je l'ai mal recopié. 4 plus 1, 5. On fait. Oui, forcément, ok. On fait le complément à 2, donc 1, 0, 1, 0. On fait notre plus 1, donc 1, 0, 1, 1. Ça c'est moins 5. Voilà. Et on peut le repasser en positif en faisant donc, le complément à 2, donc 0, 1, 0, 0. On refait le plus 1 et on obtient 0, 1, 0, 1. Et ça, c'est égal à 5. Donc en fait, euh, le mieux, c'est de repasser en binaire. De euh, toute façon, on n'a pas trop le choix. Par exemple, si on prend 83, on le repasse en binaire. Donc ça, c'est un nombre qui est négatif. On le repasse en binaire, 1, 0, 0, 0 et 3, 0, 0, 1, 1. On fait son complément à 2. Donc c'est-à-dire 0, 1, 2, 3, 1, 2, 0, 0. On fait plus 1. On obtient 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1. Et ça, on peut le reconvertir. Donc ça, ça nous donne 7 et euh, 8 euh, 12, 13. 13 c'est euh, D. Ça nous donne 7D. Et donc 7D, c'est 7 fois 16. Euh cette fois c'est, je ne sais pas, plus 13. Et donc ça nous donne en réalité 83. C'est égal. Pas le calendrier. 7 fois 16 plus 13. Voilà, ça nous donne 125. Du coup 83, c'est égal à moins 125. On peut retrouver ça en faisant du coup euh, le conversion en binaire. Faire son complément à 2. Et on obtient sa valeur en, en normal. En normal en. En positif, pardon, et on sait que du coup 83 c'est égal à moins 125. Je sais pas trop si c'est clair, j'espère que oui. Euh, par rapport euh, du coup à comment on peut repasser dans les positifs et négatifs, euh, complément à 2, on repasse en binaire puis complément à 2 et obtient directement la valeur que c'était. Alors du coup, euh, le next 2 de l'exo 3 du mid-term du S4 de cette année. Donc je suppose que c'est celui-là, le next 2. De ok, parfait, c'est celui-là. Alors, l'erreur est l'erreur. Ce qui se passe, c'est que on peut, euh, donc par exemple, là on a D7 qui est égal à. Alors, qu'est-ce qu'on fait On move euh, D7 dans D2, ce qui fait que D2 c'est aussi égal à 8, 7, 6, 5. 4, 3, 2, 1, on fait un LSL, ah, LSL, c'est la division, attendez, ok, on fait un LSL, qu'est-ce que ça fait, LSL, ah, oui, les Logical Shift, ok, c'est ça, alors, LSL, ça va prendre dx et dy, ou un nombre, donc, dans notre cas, c'est ce qu'on fait, on le fait avec directement un chiffre, et des 2, et ça va faire un, un, un shift logique de n bits vers la gauche. Donc n c'est égal à 4. Donc en fait on va euh, tout shifter vers la gauche de 4 bits. Alors le L, le logical shift, je t'avoue que je vois plus ce que c'est. Je l'avais pas vu. Par contre les rotations, bon, on va faire comme si, parce que les logical shift j'ai toujours eu du mal. On prend, on décale tout. d C. Ah si, ok, si, bah si. En fait, ça va tout dé... Ça va, ok, logical chiffre vers la gauche, ça fait qu'on aura 7, 6, 5, euh, 4, 3, 2, 1, 0. On va tout simplement euh, décaler vers la gauche et enlever... Là, vu que c'est 4, en fait, on va enlever les 4 premiers bits. Du coup, les 4 premiers bits, on va les virer. Et du coup, bah, les 4 premiers bits, c'est le 8, en fait. Si là ça avait été euh, LSL de 8, on aurait tout décalé vers la gauche sans faire une rotation cette fois-ci attention, c'est pas la même chose que les rotations, juste on décale tout vers la gauche et on aurait enlevé les 8 premiers bits. Ça marche si jamais de vers la droite c'est LSR. Si jamais on fait LSR, on décale tout vers la droite et du coup, là dans notre cas, on aurait enlevé 1 et on aurait rajouté un 0 ici. Donc le LSL ça fait ça. Donc une fois qu'on a appliqué le LSL D2 ça devient égal à ça. Et on a les rotations. Donc les rotations, pareil, elles prennent euh, l'extension pour savoir sur quoi on va se concentrer. Donc dans notre cas, ROR, c'est une rotation euh, vers la droite et on se concentre uniquement sur le point Word. Ce qui fait que le 7654, on ne s'y occupe pas. On va euh, travailler qu'avec le 3, 2, 1, 0. Le 3, 2, 1, 0, du coup, c'est pas ce que je voulais faire. Le 3210, du coup, on le prend, et on fait une rotation vers la droite de 4 bits. Qu'est-ce qui va se passer? Euh, c'est tout simplement, on va décaler tout ça. On va décaler, donc 4 bits, c'est un seul caractère. On va le décaler. Et si jamais ça déborde, on le remet ici. Donc en fait, là, on va tout décaler d'un cran vers la droite. Donc le 3, il passe à un cran vers la droite, il passe ici. Le 2, il passe un cran vers la droite, il passe là. Le 1, il passe là. Le 0, il n'a pas de cran vers la droite. Du coup, il boucle. Et il vient avant le 3. Et voilà, on a fait notre rotation droite sur 4 bits. On a tout décalé de 4 bits. Ce qui fait que bah, euh, maintenant, au lieu de 3, 2, 1, 0, on obtient 0, 3, 2, 1. Si on avait fait sur 8, on aurait tout décalé de 2 crans. Ce qui fait que si on fait une rotation droite de 8 bits sur 3, 2, 1, 0, ça nous aurait fait le 3, il passerait ici. Là, on aurait le 2. Le 1, on le décale de 2 crans, donc pas là, il va là. Et le 0. Il va ici. On décale tout de 2 bits. Euh, de, de, de 8 bits, pardon. Du coup, de 2 caractères. Ok. Du coup, ça, c'était dans le cas où on avait voulu faire avec 8. Ça. Ok. Donc maintenant, après avoir fait la rotation droite, on obtient celui-là. On obtient celui-là. On utilise de swap. Swap, c'est super simple. On inverse. Donc D2, c'est tout ça. Et ben swap, on prend ça. On le met là. On prend ça. On le met là, on inverse, on coupe en deux Et on les switch Du coup on obtient 0, 3, 2, 1, 7, 6, 5, 4 Maintenant on fait une rotation left Attention sur l'extension longue Donc ça veut dire qu'on se concentre sur tout notre registre, sur toute notre donnée Et on fait une rotation vers la gauche Rotation vers la gauche de 8 bits Donc ça veut dire de deux caractères Ce qui fait qu'on va tout décaler de deux crans Donc le 4 il vient là 5 6, 7, 1, 2. On redécale le 3 de 2 crans. Du coup, le 3, enfin le 0 maintenant, il va là. Et le 3, il va là. Et du coup, on a tout redécalé de 2 crans vers la gauche. Est-ce que c'est clair, tu euh, du futur Ou est-ce que tu veux que je revienne un peu dessus Ok, parfait. Ok, du coup, ouais, voilà, les rotations, ça marche comme ça. Logical Shift. Je vais juste vérifier, normalement ça... Parce que j'ai juste un doute pour le, le, le logical shift, mais normalement c'est ça. D2, 2, 1, 7, 6. 5, 2, 1, 7, 6. 5, 4, 0, 3. Ok, donc oui, le logical shift, c'était bien ça. Un logical shift vers la droite, du coup, bah en fait, on, on supprime soit 1, soit 2, enfin. On décale tout vers la droite et du coup on, on, on se débarrasse de cela et on rajoute des zéros avant si jamais ça avait été de 8 euh, Et sinon si ça avait été que sur 4 bits on rajoute juste un zéro Mais en gros on, on vire tout et rotation on décale d'un certain nombre de crans En prenant en compte le fait que bah, si jamais il y en a un il a plus de place vers la droite Il reboucle et il revient ici Parfait Est-ce que euh, vous voulez qu'on revoie des points en particulier Azermi, est-ce que tu voudrais que je revienne sur les, les conversions Je ne sais pas si c'était suffisamment clair, peut-être. Pas. BGT, non, 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 ça, tout ça, on a vu des bras, donc la loupe. Normalement c'est clair, merci. Ok, pas de soucis. Sinon, encore une fois... N'hésitez pas à poser vos questions. Euh... Mais voilà, c'est complément à 2. On inverse et après on récupère le, le nombre qui valait. C'est important de savoir les faire parce que euh, quand on fait les. Quand on fait cette partie-là, ici les moves, etc., souvent on se retrouve avec des noms qui sont négatifs, qu'on doit reconvertir en positif. Du coup, c'est toujours important de, de savoir faire euh, tout ça. Ok, bah, s'il n'y a pas de question et que du coup c'est CA2 plus plus 1. Alors le complément A2 c'est directement. En fait le complément A2 ça comprend tout. Mais le complément A1 c'est inverser tous les bits. Donc tous les 0 deviennent des 1 et tous les 1 deviennent des 0. Et après tu fais le plus 1. Le complément A2 c'est l'ensemble des 2. Le complément A1 c'est inversé. Mais en gros oui c'est ça. Tu inverses tous les bits et tu fais plus 1. C'est un abus de langage quand je disais complément à 2 puis plus 1, puisque le complément à 2, c'est l'ensemble. Sinon, le fait de juste inverser, c'est le complément à 1. Mais inverser et plus 1. Nickel. Alors, bah, s'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'on peut s'arrêter là. Euh... Désolé que je revienne pas sur le code. Mais voilà, comme je vous ai dit, vous n'hésitez pas, si jamais il y a les moindres questions, euh, je pourrais essayer quand même de, de vous répondre. Et puis, bah voilà. Merci à tous d'être venus. Et bonne chance pour vos révisions. J'attends un petit peu parce que je sais qu'il y a un petit délai au cas où il y a des questions qui viennent entre temps. Ouais, la rediff, elle sera sur Twitch. Et euh, la rediff, elle sera forcément sur Twitch automatiquement. Il y aura un petit délai avant qu'elle soit mise sur YouTube. Mais de toute manière, elle reste sur Twitch une semaine ou deux, si je dis pas de bêtises, dans tous les cas. Du coup, il y aura largement le temps de, de revoir tout ça. Merci à vous. Et bonne chance pour vos révisions. Et puis bon courage pour vos partiels. Salut